produits à la gravelle? Alors on procède à un contrôle des flux et un contrôle de zone sur l'ensemble des véhicules qui se présentent sur la barrière de péage de la gravelle dans le sens Paris-Province. Il s'agit donc de vérifier les identités ainsi que les véhicules qui empruntent donc ce point de passage obligé vers la Bretagne. Et donc on contrôle dans le sens Paris-Province et c'est dans le cadre des mesures prises suite aux attentats de Bruxelles. Il y a des chiens? Alors nous avons une équipe cynophile avec deux chiens, des chiens stupéfiants. Et donc on procède au contrôle des papiers évidemment, au contrôle d'identité, mais également au contrôle donc des coffres. Et dans ce cadre-là, le chien ou les chiens ont déjà flairé plusieurs pistes puisque nous avons plusieurs procédures pour détention stupéfiants qui sont en cours. C'est ce qu'on utilise principalement en recherche de restes humains. Principalement, mais bon, on les utilise un peu en tout, en explosifs, en armes, munitions, en stupéfiants. Je n'ai rien avec moi, donc ce serait sympa. Bon, on a une poche qui traîne, quelque chose? Non, je ne suis pas un gros fumeur.